Voici une partie de l'origine de votre famille. René Ravin, dit Pépère, est originaire de Béligné et de la Cornouaille. Le mot peut vouloir dire extrême. Laurence Texier, dite Mémère, est née à Rouen. Le mot est d'origine latine. On retrouve beaucoup de Texier en Haute-Vienne. Pierre Nello, dit Pépé, en franco-provençal, Nello veut dire Noël. Catherine Golzonnet, dite Mémé. Le mot « Golz » est un mot allemand, mais aussi russe. Für eine schöne Etappe in seinem im Leben, noch einmal zu leben, bevor dass man abhängig wird und vielleicht nicht mehr in einer Wohnung ganz allein kann sein. Wie viel andere Residenten vom Haus freut sich Mathilde jeden Monat auf eine neue Bobbelstunde. Das Herz redet auf Elsass. Tiens, je te passe à Mémé. Je n'ai rien à dire. Viens, t'as passé. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête? La route est prête, le ciel est bleu. Y a des chansons dans le piano à queue. Il y a de l'espoir dans tous les yeux et des sourires dans chaque fossette. La joie nous guette, c'est merveilleux. Qu'est-ce qu'on attend? Pour aller à la gare de l'Est, comme les autobus, ils allaient tous à la gare de l'Est, mais pas à la gare du Nord. Hein. Alors il me dit, ben, vous aurez aussi vite fait d'aller à la gare de l'Est et puis prendre pour la gare du Nord. Tu parles que je n'allais pas aller là. Je prends un taxi et je me retourne à la gare du Nord. J'ai repris un taxi. Ah oui, pardon. Non, j'ai pas pris de taxi. Ah non. Non, c'est vrai, j'ai pris le métro. Ah, je m'inquiétais plus. Oui, j'ai... J'ai tellement pris de choses. Hein. Enfin bon, après je prends le train. Et puis arrivé à la gare, là, il pleuvait. Voilà, il y avait de l'orage, il pleuvait à torrent. Mais alors là, j'aime mieux te dire que j'ai quand même pris un taxi à la gare de Beauchamp. Et puis je suis arrivée ici, voilà, trempée. Pas trempée si tu veux, non, parce que c'est quand même pas loin de venir jusque-là du vin en taxi, là. Hein. Et puis voilà. Alors, autre chose, c'est que je ne sais pas si on te l'a dit, tu ne l'as pas dit encore. Ah non? Alors. Je suis un petit gars, plombier zingueur. Je fais des semaines de 48 heures. Et j'attends que dimanche s'amène pour promener ma jolie nénène. Ou bien une autre, ça revient au même. Mais moi, je préfère quand même nénène. À qui qu'un jour fugueux j'ai dit, si qu'on allait se promener, chérie. Où ça? À Joinville, le pont, 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 tous deux nous irons, ron, ron, regardez guincher, chez Gêne. Si le cœur nous en dit, dit. On pourra aussi, si, se mettre à guincher chez Gêne. Alors, j'écoute. Tiens, regarde, je crois que c'est bien. Ah ouais. Là, si tu t'assois, t'as pas mal. Oui, t'as, parce qu'en là, la caméra. Hein?
Ta tête. Oh, Véro, si elle était petite. Non, elle est 4-5 mois. Hein. Ouais, c'était à Pâques. À Pâques, oui, quand il y avait tes parents qui sont venus. Oh là là, et quel âge on avait donc? Ah ben, 31 ans en moins. Hein. Ça fait 30 ans. Hein. Ouais. Elle a 31 ans, là. Oui. Elle a eu, elle. Oui, mais là, comme elle avait un an. Ah oui, ça fait 30 ans. Oui. Bon, ça, c'était le truc à Fredo. À Fredo, oui. Il avait une tête de clown. Oui. La culotte longue qu'elle avait, c'était, ben, c'était Fredo aussi. Oui, oui. Ah, c'était Pâques, le voilà, le jour de Pâques. Voilà, chercher. Oh, regarde, Frédéric. Fredo. Voilà, puis chercher, hein. T'inquiète, hein. Je suis en retard, là. Oh là. Et ça, c'est René, derrière. Ouais, oui. Oh là là, qu'est-ce qu'il était jeune, là. Attention, oui. Il y a des biais. Oh là là, oh, il est mort. Tata qui refume, là. Qui refume. Regardez. C'était le premier moulin, ça. Ouais. Oui. Oui. Oh là là, regarde René, s'il était jeune, je pense. Bah, ouais. Moins 30 ans, hein. Bah, oui. Et il avait... Enfin, un peu plus vieux que Fredo, quoi, mais enfin, quand même, hein. Enfin, Didier, il n'a pas changé, je trouve, par contre. Mais le petit, là, regarde, s'il n'a pas des airs, Alexis, il n'a pas des airs avec son père. Son père, ouais. Oh là, oh là, oh là. Il a coupé les têtes. Ah, bah, oui. Pas évident, hein. Oh, regarde. Oh là là! Qu'est-ce qu'on était jeunes! Oh regarde! Et Didier! Oh, on est fous! Regarde là le. Tonton Baptiste, ouais! Mon Dieu! Ah Dieu! Oh là là! Moi je peux plus me relever après! Voilà! Moi, j'avais pas changé, j'avais une voix de plus jeune, mais... Non, bien, non. Youp! Oh là! Ah, oh, bah, hey, là, j'ai fait vite pour m'en aller, hein. C'est jeune et beau, là, hein. Oh là 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 là. Mais tu peux entendre de là? Ah oui, tu peux entendre de là, parce que, dis donc, elle te parle de photos, hein. Et ma mère, la bourgie. Oh là 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 là. Regarde ça, sinon on dirait pas du... ton mari. Pépé? Ouais. Oh, tout à fait. Pff, oh là là là. Puis plus ça va, hein. Oh, la marchande des poissons. Le cas de ma mère. Regarde ma mère. Tu vois, il y avait encore plein de commerçants. Oui, il y avait plein, tata, c'est pour ça, maintenant... Oh là là, qu'il y a... maintenant, il y a les commerçants, mais plus personne pour acheter. Ou elle va l'essayer, elle s'en foutait, elle fait rien. On verra comment qu'il sera, parce que, dis donc, il ne faudrait pas qu'il nous foute dans un fossé, hein, ça serait moche, hein. Après avoir bien rigolé, être dans un fossé, et... Oui. Là, c'est sa mère. Ah, c'est chez Pépé. C'est la montagne, hein. Allô. C'est sympa, là. La Valvarette, là, qui était en bas. Ouais. Ouais, le chemin. Ah bah oui, j'ai bien vu sur les photos à Didier. Le chemin de pierre. C'est donc, papa. T'avais brûlé, hein. Eh, la fille avait grandi parce qu'on avait rallongé la robe. Oui. Tu vois, les... Oh, ouais, bah oui, c'est pareil.
C'était couvert d'alose aussi. Ça, c'est une madone, là. Mais la maison à Pupécine, voilà. C'est ça, la maison. Ah, ben c'est voilà. Ça, la maison, ouais. Voilà, avec la madone. Ouais. C'était un Christ. Mais j'ai pas pu filmer davantage parce que grand-père m'a dit non, ne prends pas. Ah ouais. Bon? Ah, oui. N'approche pas. N'approche pas, fais pas ça. Oh. Là, c'était sur votre tour. Voilà. Là, la maison à Pépé. Ouais, ouais. Ah, mais c'est qu'il y avait des gravures comme ça de chaque côté? Oui. Ouais, ouais. Ah, d'accord. Ah, ouais. Voilà. Ouais. Eh bien, c'était tout à fait cette statue-là qu'il y avait, ouais, où il était à l'hôpital et qu'il a dit, je la connais, celle-là. Eh bien, c'est lui qui m'a appris à conduire. C'est vrai. Ouais, parce que ton père, il est tellement peu patient et puis on a tellement peur de faire une connerie. Et puis vraiment, je ne sais plus conduire. C'est horrible. Mmh. Oh là là. Surtout la pédale de débrayage. Alors, si jamais je cale de trop, etc., ton père gueule comme un âne. Si. Tu vois un peu le tableau, quoi. Alors là, il n'y a pas d'histoire. Tantôt, il faut que je sorte de voiture. Alors là, il n'y a pas d'histoire, tantôt il faut que je sorte la voiture et puis on ira pas loin, on ira au cimetière, puis on ira jusqu'à chez Mémé, mettons, pour me faire la main dans le milieu de l'après-midi. Et puis après, petit à petit, j'essaierai de la conduire tous les jours, tu vois, un tout petit peu, ne serait-ce que même pour aller au bois, revenir, pour me déshabituer de la dessous. C'est ça, voilà. Parce qu'une fois que j'aurai bien pris le pli de conduire une voiture ordinaire, je pourrais reprendre la deux chevaux entre-temps, mais là... Vraiment, je panique, hein. Oh là là, j'en avais mal au bras hier.